Bonsoir, bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV Radio de Vie dans votre émission. Il est minuit, il est 20h40 pratiquement heure locale et nous sommes en direct 20h35 à peu près. Nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. Que Dieu soit béni. Merci pour votre présence. Merci pour la vérité que le Seigneur vous donne à comprendre. Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée. Conduis-nous dans tout ce que nous allons entreprendre ce soir. Adonai, Père de gloire, Dieu d'Israël, Elohim, au nom de Yeshua, amen. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes marié. C'est ça. Oui. Chrétien. C'est ça. D'accord. Et vous suivez le Seigneur depuis quelque temps, depuis que, combien d'années à peu près que vous êtes converti? En fait, avant, on était dans les assemblées dénominationnelles. Mm-hmm. Et on suit le message depuis maintenant pour moi 3 ans. 3 ans, ouais. Ça fait 3 ans. D'accord. Et quand tu l'as partagé à ta femme, à l'époque qui était certainement ta fiancée, comment elle a réagi? Donc mal. Je vous posais juste une question, cette question, et puis après vous allez me poser plein de questions que vous avez. Ok. Ouais. Mal. Tu peux aussi. Ok. Mal. Dire comment tu l'as pris. Bon, disons que moi je suis née dans l'église et du coup quand Luc est arrivé avec cette nouvelle façon de penser, au début je pensais que c'était une secte. D'accord. Donc ça me faisait peur et pour autant à chaque fois qu'il avançait quelque chose, je savais que c'est lui qui avait raison en fait. D'accord. Et ce qui me marquait en fait, c'était sa paix. Il était tout le temps paisible quand il me parlait. Moi, j'étais toujours sur la défensive. Wow. Et un jour, on s'est disputé et Jésus m'a dit, tu comprendras. Mm-hmm. Et donc, lui, il a adhéré directement en fait en 2013. Moi, ça a pris plus de temps. Mm-hmm. Et vraiment, je suis vraiment, vraiment réveillée depuis fin 2014. D'accord. J'ai su que j'étais sauvée en mars 2015, wow. 2016. Ah ouais, ouais. J'ai vraiment su que c'était bon là en mars 2016. Waouh. Ben, que le Seigneur soit béni. Alors ce soir, frères et sœurs, si vous pouvez nous appeler, hein, si vous le voulez. Vous pouvez nous appeler au 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. Le numéro défile sur votre ordinateur ou sur votre téléviseur si jamais vous nous suivez via le câble. Et bon, je vais passer tout le monde, enfin, au Rao TV. Voilà. Donc, vous avez des questions à me poser, donc vous pouvez y aller. Et vous pouvez aussi nous appeler pour me poser vos questions. Ok. Vas-y. Ok. Donc, voilà, la parole nous dit que. On parle du Fils unique, en fait, de Dieu, en parlant de Jésus. Mm-hmm. Donc, nous savons que, qu'il y a eu plusieurs fils, en fait, de Dieu, par exemple David. Mm-hmm. Parle de David. Alors, pourquoi dit-on que Jésus est le Fils unique, en fait, de Dieu? Ok, très bonne question. Et d'ailleurs, si il n'y a pas que David, il y a même des anges qui sont appelés fils de Dieu, comme dans Genèse chapitre 6. On nous dit des fils de Dieu, c'était épris, hein, des filles d'Adam ou des filles des hommes. Et donc, il y a des anges qui sont aussi appelés fils de Dieu, il y a aussi des hommes. Et voilà, mais pourquoi dit-on effectivement que Jésus-Christ est le fils unique de Dieu? Voilà. Et c'est simple. Et Jésus est le fils unique de Dieu parce qu'il est né pas comme nous. Je veux dire, il a été conçu de manière miraculeuse, sans le concours de l'homme. Pour qu'un être humain vienne au monde, comme tu le sais, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Mais par contre, quant à Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, ben lui, il a été engendré par le Seigneur, par Dieu Tout-Puissant. On va prendre un passage dans Matthieu, un passage que vous connaissez, que tu connais. Et... Pardon, d'abord Luc. Alors, on va prendre à partir du verset 26. Je ne sais pas si tu peux le lire. Luc chapitre 1er, pardon, à partir du verset 26. Luc 1, 26. Mmh. Or, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vers une vierge fiancée à un homme nommé Joseph qui était à la maison de David. Mm-hmm. Et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange était entré dans le lieu où elle était. Lui dit, je te salue, toi qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait
ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, Marie, ne crains pas, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Verset 34. Alors Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit et dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Wow. Donc Marie pose la question à l'ange, effectivement, comment cela pourra-t-il se faire ? Parce que je ne connais pas d'homme, hein, littéralement, je suis vierge. Et ben, l'ange lui dit, écoute, la puissance du Saint-Esprit, hein, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc déjà, la conception ici de Yeshua, homme, était bien sûr miraculeuse, contrairement à nous autres. Voilà, donc là, il n'y a pas eu besoin du concours de l'homme et pour qu'il naisse. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le Fils unique. C'est-à-dire, c'est le seul à avoir été conçu de cette manière-là. Parce qu'il ne fallait pas que son sang soit contaminé par le péché d'Adam et Ève. Et là, dans ce cas-là, il n'aurait pas pu faire la propitiation, c'est-à-dire le sacrifice expiatoire en vue de nous libérer de nos péchés. Voilà. Merci.